cher Monsieur Crisparo. Nous sommes grands admirateurs. Nous avons suivi l'odeur du vent d'une côté à l'autre de l'Europe, de Cannes à l'EFF. Pendant les 5 années passées, c'était le seul film que nous nous sommes permis de regarder. Donc, c'est avec grand plaisir que nous avons lu votre dernier billet du blog. Nous nous excitons pour votre nouveau projet de documentaire et nous pensons que peut-être nous avons le sujet parfait. Récemment, nous avons commencé à travailler sur notre propre film et nous nous demandons si vous voudriez à documenter le processus. Nous sentiments distingués, Max et Chris. Du français. C'est impossible. Mais c'est la langue d'amour. C'était la langue d'amour. Alors, qui est maintenant? Je sais pas, mais c'est pas français. De toute façon, la langue n'est pas le problème. C'est... Communiquer l'idée. Alors, à la fin, c'est un film sur ces deux personnes. Nous simplement utilisons ces deux personnes à faire comprendre l'idée à le public. En réalité, c'est sur tout le monde. Mais c'est pas sur tout le monde. C'est sur ces deux personnes, ici. Maintenant, qui font quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se rencontrent à... Comment? Un parc! Ouais, un parc pour les chiens. Ouais, les deux adorent les chiens. Ouais, et elle est aveugle et elle a perdu son chien. Ouais, et... Oh, écoute, il dresse les chiens guides d'aveugles. Oui, et à la fin, elle retrouve sa voix. Et quand elle le voit pour la première fois, elle... Sérieusement. Je n'ai pas bu assez pour ça. D'accord. Je vois ce que je vous essaie de faire ici. Et c'est banal. Ces verres ici, je l'ai déjà vu. 100 000 fois. J'ai déjà vu tout. Alors, que pensez-vous que nous devrions faire? Qu'est-ce que je pense? Il faut les mettre dans un lit. On ne doit pas voir leur rencontre. Ils doivent réveiller et les deux sont amusés à être dans cette situation encore. Ouais, et les deux sont mariés à autre personne. Et ils réalisent qu'ils sont plus heureux ensemble. Écoute, c'est une mal idée. Si vous voulez faire un film qui entraînerait l'amour, vous devez accepter la réalité que la vie est plus longue que ça. Personne tombe d'amour du jour au lendemain. Je crois. Alors, combien de temps faut-il? Regarde, je pense que nous avons besoin de faire un repos
peut-être prenant une boisson ou deux. Nous allons retourner demain, parce que ça ne va pas bien. Je crois, ça ne va pas bien. Oui, ça ne va pas bien. Nous avons besoin d'émotions. Plus d'émotions. Ne jouez pas. Simplement... Soyez. Il y a 2 heures, tu n'as pas connu ces filles. Mais maintenant, tu ne peux pas se souvenir une vie sans elles. Avant de ces rencontres fortuites. Vous vous amusez. Mais il y a... une certaine tristesse. Oui. Un ennui. Un type de... fatalité. Une fatalité déterministe. Quelque chose d'inéluctable. C'est inéluctable. Vous comprenez? Action! Peut-être si tu mets ton bras... comme ça. Ouais. N'oubliez pas l'ennui. Action! Regardez-nous. Shape race on. Mais vraiment, ça ne peut jamais être. Moi, American concierge de bowling à temps partiel. Et moi, en train de concourir à Série mondiale du bowling. Je sais que c'est drôle d'abord, notre rencontre fortuite. Mais c'est vrai. L'amour n'est jamais un jeu parfait. Est-ce que tu penses que nous sommes de 2 mondes différents? Nous sommes de 2 mondes différents. Je me sens que je l'ai laissé tomber la balle de bowling. Comme je suis l'espère que tu n'aurais jamais. Comme mon corps est un 70 split. Comme je vis ma vie dans la rigole. Comme je suis la prise dans la machine de griffe que tu es toujours voulu. Mais... Coupez! Coupez! Couper. Qu'est-ce que tu veux dire, couper? Tu ne peux pas crier couper. Ça, c'est notre film. Je pensais que je supprimais tous les meurtres sur bowling. Où est le monologue sur Derrida? Et la fille, on est dit une prostituée, pas un bowler pro. Où sont tous mes verres? Nous les avons changés de retour. Votre movie est merde. C'est merde. Je ne veux pas faire mon documentaire sur un movie de merde. Ce serait merde. Votre movie est à peine romantique et la seule chose comique est sa banalité. Je l'ai fait pour longtemps. Je sais quand quelque chose est banal ou d'amateur. Je l'écrirai. Où il sera merde. Oh, tu ne saches pas banalité s'il... S'il... S'il a giflé tes lunettes de soleil stupides de ton visage. Pas eux. Nous essayons de faire un movie ici. Moi, j'essaie de faire un film aussi. Un meilleur film. Tu n'as pas un movie sans notre movie. Film. Je fais un film. Vous faites un movie. Ne s'appelle pas notre film un movie. T'es... viré. Tu ne peux pas me virer. Le 2 de vent était un très mauvais movie. Pardon? Êtes-vous...
Pardon? Êtes-vous Chris Powell? Le réel, c'est-tu? Et qui? Juste un film dans la rue. J'ai adoré le film que vous avez fait. Le dos du vin. Non. Franchement, je ne l'aimais pas. J'ai dit sur le film avec la prostituée. Elle donne le monologue sur Heidegger dans le café. Oh, la vie? Vraiment? Oui. La vie furieuse est longue. Et m'a vraiment rendu compte que les rencontres fortuites sont comptées justes. Fortuites? Coïncident, furieuse, long et vide de sang. Cigarette? D'accord.